Teotihuacan est une des cités les plus impressionnantes de l'Antiquité. Elle fut fondée avant l'ère chrétienne et abandonnée vers l'an 650. Elle a dominé la région pendant 5 siècles. Les Aztèques s'y installèrent vers 1400. Temples, palais et pyramides témoignent de la splendeur de la ville, environ 200 000 habitants à son apogée, mais l'origine et le mode de vie de ses fondateurs restent mystérieux. La longueur de l'avenue des morts était de 4 km environ. La pyramide du Soleil, 65 mètres de haut, achevée probablement au IIe siècle, est une des plus grandes du monde. Le site archéologique de Teotihuacan couvre une superficie de 25 km², dont seuls 2% ont fait l'objet de fouilles systématiques. L'enceinte du palais délimite une esplanade, bordée de résidences, au fond de laquelle se dresse le temple du serpent à plumes. Pour les Mayas et les Aztèques, le Quetzal était un oiseau sacré, dont les plumes étaient très prisées. Les peuples indigènes ont associé le serpent à plumes au cycle de croissance du maïs, comparant les feuilles vertes de la plante à des plumes de Quetzal, et les épis à des écailles de serpent. Chaque tête est fixée par un tenon et pèse 4 tonnes.